Tiens, pas d'autres conneries à dire? Si, mais tu savais que j'ai GTA 5? Ah, dommage que je peux pas te le prêter. Le mec doit le faire chier jusqu'au bout, quoi. Il s'en fout, il a 5 Pro 4. Bah, moi aussi je l'ai, c'est un Rocket. Ah, oh, bah, je l'ai pas, merde! Donne-le-moi, Steve! Non! T'as pas dit J'ai le mot payé magique. 70 euros. Et pour GTA 5, comme ça doit être pareil. GTA 5, quoi, ça doit être pareil le prix, je crois. 45, tu peux retrouver. Moi, j'ai trouvé à 49 sur Amazon. Ok. Il a peut-être vu dans la vitrine, mais il a pas pris. Tu l'avais à 45 à Carrefour. Au prix le plus bas Carrefour. Ah, oh, putain, si c'est le plus bas, merde. Et au prix le plus haut chez Cora. 189 euros le GTA 5 et la version simple, pas la collector. Oh Maxime, tu me croirais un guerrier qui se bat en caleçon avec une planche? Ah, j'ai déjà vu ça dans Dragon Quest. Ah bon? Ouais, je te crois. En vrai, mon démonstrateur, depuis la mise à jour, t'as des skins maintenant. Ça c'est marrant. Ah, j'ai bien vu une fois un mec en caleçon se promener comme ça tranquille, pieds nus et tout, dans la rue. Ah, moi ça m'est déjà arrivé, hein, d'avoir ouais. Vraiment un. Une fois même à poil, il m'a dit bonjour, il m'a... Non. En caleçon, j'en ai déjà vu un, mais pas à poil quand même. À moins que c'est Michael Youn, là. Plus qu'à poil, en os. Mais Michael Youn, c'était un cinglé, mec. Le mec, il gueule devant tout le monde à poil. Ok. T'as pas deux boules à me prêter, Steve? Très intéressant, la discussion. De quoi, Maxime? T'as pas deux boules à me prêter? Non, je vois pas de quoi tu parles. Et forcément, les deux boules, ça doit être 5 Rocket et GTA 5. Ouais. Tu me prêteras tous les deux. Et je les enfermerai dans un coffre-fort à 1000 serrures. Perds pas avec lui. Ouais, je demanderai un passe-partout. T'as 4 papiers. Ah là là. En tout cas, tout ce que j'avais à dire, c'est. Merci pour Maxime Moulin FM, la radio des gamers. Merci. Quoi? Dis pas que tu l'as connu pas. Je connais celle du slip qui est belge, mais non, pas celle-là. En fait, le truc entre un slip belge et un slip français, c'est que le slip français il est blanc, alors que ceux des belges ils sont jaunes ou marron. D'accord. Bon, bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est la deuxième fois qu'on fait cette vidéo. Et je m'en doutais qu'il allait filmer mes conneries encore. Donc vous devinez que je suis en pète. J'ai envie de me suicider. Suicide-toi. On en était à où? Ok, merde, on va devoir se retaper la conversation avec le chef. Et puis merde, je la passe. On a pas que ça à faire. Je suis vénère, les gens. Vous l'avez déjà vu. Donc on s'en fout, je passe. Oui, je suis désolé les gens, mais j'en viens à ça. Et si on peut pas passer? Je pète encore un coup de câble. Bah non, dans les actuels, tu peux pas passer ici, non. Surtout dans les vieux. I'm terribly sorry. I thought you were one of those zombies. Je vais devenir dépressif.
Are you Chief Iron? Ça va, Steve? Yes, quoi de neuf? That's me. And just who are you? Ouais, pour te dire, on s'est quitté à peine deux jours pour redémarrer ton mordi. It makes no difference. Je sais pas, moi. You'll end up just like all the others. Maudit frappe, ça planté. Point. Il est obligé de prévenir à la moitié de la vidéo. Non. I was told to look after her, but I failed miserably. Ouais, on était moitié de la vidéo. She was a true beep. On avait sorti des bonnes blagues. Her skin, nothing short. Ça, c'est ce que je déteste, c'est quand je sors des bonnes blagues, mes résultats, but ça a été. But it will soon putrefy, and she will turn into a zombie within the hour, like all the others. There must be some way to stop it. In a manner of speaking, there is. Either by putting a bullet through her brain, or by decapitating her completely. C'est le slip qui se lève du corps du maître et qui t'attaque en te mordant. And to think that taxidermy used to be my hobby. But no longer. Hey, please. Ma blague. I'd really like to be alone now. Lui c'était si t'as pas un slip, prends un slip. C'est plus radical. Bah, allez, alors je vous le dis, sur la tête du chien qui a essayé de me tuer l'autre jour. Aujourd'hui tu tues, on m'aurait fait des vacances. Les vacances. Ta-na. Justement les vacances ça me manque. Les vacances ça manque à tout le monde. Mais même le plus grand des partouzeurs n'est pas aussi gay que la Vierge Marie. La logique de Maxime Moulin. C'est moi. Ouais, ça on l'avait compris, hein. Oh, une petite fille. Let me go. Easy ouais, there. I'm not a zombie. You're safe now. Jeudi. Bon, petit indice. Leon, come in. Personnage I found the kiss. Girl, and I've cleared the kiss. Wreckage that was blocking the corridor. Got it. Hey, Maxime Moulin, pourquoi tu parles plus? My name's Claire. What's yours? Sherry, do you know where your parents are? Je sais qui va s'en They both work at the Umbrella Chemical Plant, near the city limits. The chemical plant? Then... What are you doing here? My mom called and told me to go to the police station because it was too dangerous to stay at home. From the look of things, I'd say she was probably right. But it's dangerous here as well. You'd better come with me. But there's something out there. I don't know what it is, but I saw it. Much larger than any of those zombies. And it's coming after me! What was that? That's what I was telling you about. It's here. Ah, c'est pour ça que tu répondais Sherry, pas. Wait. Quoi? Pour ça que tu répondais pas. Quoi? Endors-toi. Donc là, nous allons prendre. Oui, un slip? Non. Non. Il est con ce mec. Il est con ce mec. C'est pour ça qu'on l'appelle Georgette. Ok. Bonjour. Bonjour. Comment s'appelle la mère Michel de ton slip? C'est étrangement elle propre. Elle s'appelle... Je ne sais plus. Quelle mémoire de fou. Donc là, je vais bientôt aller manger, donc on va faire une petite coupure, les gens. Et je continuerai quand j'aurai envie, mais ce sera pas tout de suite, là. Je suis trop en vue aujourd'hui, là. Voilà, et même Steve, là, il doit aller se vidanger. Mais non. J'ai dit que si, ça va pas me devenir rien. C'est Robert Defroot. Non, c'est Starkey. Putain, tu prends pour un con. Ouais, un petit peu. Ok. C'est Starkolo et... Alors t'as fait un mélange entre Sarkozy et Starkey. Artiste.
Stark Inch. Il y a ça, Sarkozy et Hollande. Sarkozy, Hollande. Ah, ça ferait la paire, mec. Ouais. Allez, on va développer le film, puis après, c'est là que je sauvegarde. Parce que là, j'ai mon plat de bolognaise qui me dit mange-moi. Mange-moi. Moi, je mange. Moi, je mange. Et on aura bientôt fini avec ce commissariat. Et oui, déjà, les gens. Donc, quoi, c'est, parce que c'est pas parce que j'en ai une grosse. On s'en fout, mais on a pas envie de vérifier. T'es sûr? Non. T'es pas sûr, donc? Si. Ben, je m'en goûte. Il était à base de végétaux recyclés. Non, je pensais que t'allais dire il est propre. Tiens. Bon, on est tout. Faut bien que je renouvelle quelque chose. Avec Steve, vous avez le droit à la promotion. Pardon. À l'approbation des alcooliques anonymes, je vous présente l'aventure de Steve Potel du jeu. Ah, parce que, bien que, oui, mais bon, monsieur, ce Steve Potel, qu'est-ce qu'il est fou, qu'est-ce qu'il est fou, hein. Ah, je me rappelle un quart d'une époque quand on avait moins de 20 ans. Pas 20 ans, espèce d'idiot. Non, il en a 18, eh putain. Donc on peut sauvegarder. Oui, je fais une sauvegarde en plein milieu de la vidéo, mais c'est parce que j'ai envie de... Ah, moi je me rappelle là, je suis devenu célèbre. La première fois que j'ai fait mon kamaté là, c'était bon, tout le monde était que joyeux. Ouais, attends, raconte quelques conneries pendant une minute. Oh. Non. Au revoir, je raconte. Bip. Vous pouvez laisser un message. J'ai eu. Ben là, j'ai tous les pouvoirs. Je les ai hier, tous les pouvoirs. Tu as les pouvoirs? T'es super cheaté donc maintenant sur Saints 4. J'ai tous les pouvoirs. Attends, Buff. Même la grand-mère Michelin, elle fait plus le poids. Tu vois, j'ai le pouvoir de glace, là. Je tire des boules de glace, comme chez toi, là. T'as dû déjà voir. Comme chez moi, oui, la dernière fois, t'as même gelé mon chat, j'ai dû le décongeler. j'ai les boules de feu, j'ai même un qui est très très pratique, mais pour que ça se recharge, c'est très chiant. C'est, en fait, je lance une boule. Et tous ceux que je touche, ils sont mes alliés. Pratique quoi, tu les contrôles quoi. Ah, normal. Bon, Steve, je t'ai fait une petite surprise. En fait, tu étais en train de filmer. Oui. Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est... Non, j'ai gagné. Et ça bug. C'est vrai qu'on est censé être en milieu de vidéo. J'oublie. Donc voilà, Steve au moins il a argumenté une minute pendant que je me déplaçais. Et pour la deuxième moitié de vidéo, on se retrouve avec un invité inédit dont tout le monde s'y attendait pas tellement tout le monde s'en fout. C'est... Gilles Lelouch. Non, Old Valentine. Hello. Voilà, avec sa voix suave, on l'entend enfin. Vous voyez, le docteur, il était pas dans ma tête. J'ai suivi 5 psychiatres à cause de... parce qu'on pensait qu'il était dans ma tête. Viens, moi aussi je peux jouer docteur, tu vois, je répare ta cervelle. Non, je préfère pas toi. Hein. Tournevis. La dernière fois t'as tenté de réanimer le chat en lui réagreffant la cervelle. Oh là là. Le pauvre. Le pauvre.
pauvre Saint-Michou. Il donne toujours des noms bizarres, mes chats. C'est ce que je vois. Je reviens. Il va pisser. Bon, il faut que j'aille où déjà? J'ai complètement oublié où il faut que j'aille. Et t'essayes de faire une solution, t'essayes même pas où tu dois aller? Oui, mais... Oui, je sais plus où je dois aller. Putain, je préfère rembourser là, que de regarder ta vidéo. Ouais. C'est pas ma faute! C'est la faute à Steve! On tue. Mais non, le pire c'est que ça, donc la troisième fois, vu que j'ai fait déjà le scénario A et B, j'ai refait déjà la même chose. J'aurais pas dû souligner ce détail. Ouais. Donc là j'ai Pierre avec son aigle. Ah ah, le liqueur, ça je t'ai baisé. Tu l'as baisé. Comment niquer un script? Poum! Esquive. Ah, par contre, dans Révélation, les Hunters... Je sais pas ce qu'ils avaient fumé, Capcom. Mais les autres, ça va, ils étaient grand maximum 2 ou 3. Là, ils sont une dizaine à te foncer dessus. Et en plus, ils peuvent être invisibles. Ouais, mais ça, c'est plus tard. Les parfums, ouais, les papillons, là... Le pire, c'était dans Opération Raccoon City. Ils faisaient chier. Hein. Ouais, mais là, ils étaient nombreux. J'ai trouvé leur point faible. Tu sais, tu peux pas du corps à corps avec Hunter aussi. Quand ils courent, tu leur fous une balle, ils vont faire un saut en arrière, un espèce de salto. Et là, t'auras le temps de... Pirouette, un roulé-boulet. Et ils finissent par une quadruple trip salto arrière avant du ventre. Comment mourir? Idiot. Donc là on va utiliser le cordon. Comment mourir avec un mouron qui meurt et qui mourt et qui fait l'amour? Donc là j'ai utilisé le cordon à l'autre endroit parce qu'on a deux endroits pour utiliser. J'en ai utilisé un pour Léon et donc j'utilise l'autre avec Claire. Normal. Mais sinon on peut voir ta vidéo là. Non, non, le partage d'écran c'est de la merde. Ah. Alors en plus on est à 3 donc alors là... Non, à 3 ça marchera pas. Il faut que t'as le Skype Chromium. Il y a du Skype Chrome, argent, or, platinium. Wow. Par contre, pour ceux qui ont mal suivi... En euros, vous le saviez? Non, on paye en tout cas ta gueule. Bon, gentil, ça. T'es viré. Ouais, je suis trop content de moi. Putain, je suis trop fort. Allez, applaudissez-moi. Je suis envoyé. Je sais même plus quand j'ai commencé cette vidéo. Eh merde! Bon, on va dire qu'à 50 balles. Pas grave, ça fera une vidéo de plus de 30 minutes. Ouais, enfin. Voilà, oh non! Ça va faire mal! Voilà, aujourd'hui on fait qu'une vidéo. Et la prochaine fois ce sera sans Steve. Et avec nous. Enfin, si tout se passe bien. Quoi? S'il y a une météorite qui se crache sur ma maison, on sait jamais, mais. Hein? Ah oui, ce serait trop! Ah, ce serait bien! Holt, au moins il est franc. Enfin, ça c'est quand même. Il veut être franc. Il est franc, c'est pour ça qu'on l'appelle Franck, mais. Franck West! Franck West! Devinez d'où il vient! Del Wazing! Non, de l'Ouest. Bon. Il a saboté ma blague! Sherry! I've been looking everywhere for you. I was so worried. J'ai crocheté ta blague. We've got to go now, honey, okay? If we stay here, that monster will find us. Let's go.
No, I won't. What's the matter? Don't you trust me? Moi j'hésite. It's not that clear. It's because of my daddy. He's hein. over there. Sûr, I heard him call my name. Mais en fait, j'ai jamais vu quand on t'incarne Sherry. Daddy must have been attacked by the monsters. I have to help him. Si, si, il me gerbe dessus, t'as pas vu? L'autre fois, il me gerbe des trucs dessus. C'était Wait, Sherry, don't go alone. Sherry, Sherry. Aïe. Oh, pas bourré style. Hey, bleh, sexy. C'est que je... Alors sinon, à part ça, Wesker, toujours au shot. Attends, pas capté, je te parle dans le shot. Donc voilà, là, j'incarne Sherry Birkin. Ça fait violer par deux chiens. Oui. Sympathique. Oh, j'ai vu pire hein, dans le gaming live de GTA 5 fait par nos amis bah, de jeuxvideo.com. Là, il y avait une bande annonce. Dans la bande annonce, c'était un genre truc planète des singes. Il y avait un mec qui un soldat qui coursait un singe en pleine. Hein, il le coursait dès qu'il réussit à choper. Les yeux choqués du pilote. Sérieux? Puis après, ils enfantent de plein de singes qui, armés de Kalachnikov, attaquent la ville, cascade en moto, et voilà. J'ai la version. Là, je crois que t'exagères un peu. Faut que tu le voyes, je crois que c'était le Gaming Live 5, mais je suis plus sûr. C'est celui où il y a marqué cinéma. Tu vas sur le.com, tu le regardes, tu seras confirmé. Et les gens, regardez-le, ça mérite le coup. Ah, GTA. C'est ce côté délirant qui manquait au 4. Attends, ils auraient pas osé mettre de la zoophilie. Donc voilà, les gens qui sont autour de ça, les dessins, c'est mal. Absolument. Alors là, j'arrête. Hein, si vous dites oui, hein. Faites gaffe, hein. Surtout suivant l'animal, hein. Si c'est une souris ou un rat, faites gaffe à pas l'exploser. C'est n'importe quoi de ce que je dis. Ouais, ça j'avoue. Un kilomètre à pied, ça use, ça use. 1 km à pied, je vais t'en foutre. Alors, sinon, les gens, ça va? Non. Et Holt, ça va? You summon us. Je censure mon insulte. Je suis le seul à pas entendre Holt. Je sais pas. Bégué. Ce que j'étais en train de me dire, ça fait quelques minutes que je l'entendais. Pour te dire, il a quitté la converse. Alors c'est peut-être pour ça qu'il te répond pas aussi. T'aurais pu le dire plus tôt, connard. Ben je vais te vérifier maintenant, gros malin. C'est ça, t'as pas choqué qu'il répondait plus? Non. Ouais. Holt, il a duré la moitié de la vidéo, il était même pas là au début ni à la fin. Et punaise, j'ai oublié de récupérer l'objet. Oh, j'ai pas l'air con, hein. Qu'est-ce que t'as dit, toi? Parce que des chiens, c'est des singes. Non mais ça repense à l'autre truc, hein.
Alors, ça veut dire que le chien a pas vous faire voir s'il vous fait. Non! Et le chien ne pas vous. Ils sont cons chez Capcom. Bon, on se retape l'énigme une deuxième fois. Ça, c'était magnifique fail. Hein. Pouah. En fait, vu que j'ai quitté la salle, ils ont totalement pouah l'énigme. Hein. C'est-à-dire, tu quittes la salle, tu recommences. Hein. Wow. Ou comme on le dit dans un autre jargon, va te faire enculer, connard. J'espère que Holt reviendra. Oh, il faut pas trop en demander. C'est une star maintenant à Hollywood. Hein. Il a pris un peu de son temps libre. J'ai pas envie de faire une trop longue vidéo quand même. C'est à cause du fail, hein. Oui, à tes souhaits, Boubou. Ah non, c'était Pinou, ah, c'était Boubou ou c'était Pinou? C'est qui a gerbé, qui a gerbé? Pinou. Faire gerber. R, faire gerber. Moi, je dis hétérogène. Là, je la ressortirai pas, cette là. Ah là là. C'est quand même du grand n'importe quoi notre vidéo hein, précédente. Mmh. Avec Sarah. Oh, on m'entendait mal. Pourquoi? C'est quoi ce micro de merde? Pourtant il descendait pas pour une fois. Et pourtant on me wallouf quoi. Alors, je peux comprendre. Mais... Ah bah le chien il veut prendre l'ascenseur avec moi, c'est gentil. Sarah, désolé, j'étais parti dans l'escalier. Are you there? Quoi? Sherry, dans mon centre, are you okay? Oui, il y a un message. Did you find your dad? Brièvement, hein, dans la vidéo. Yes, I'm okay, but I couldn't c'est find bien, Sarah, him. Trouve un moyen d'apparaître. But I did find something else for you. Here. Here's another. Donc voilà, Sherry, elle est super balèze, elle te balance une clé, des grenades. Thanks, sweetie. Now, why don't you come over alors, here? I want you to stay with me. Fromage. Claire, I can't et reach the ventilation hole anymore. But don't ouais, worry, I'll bien. Find another ouais, way. Puissance. I can take care of myself. Wait, Sherry, come back. Sherry, Sherry. Qu'est-ce que tu as fait? Et si t'es pas... PD, c'est que tu es gay. Non, c'est pas ça. Ok. Oh, oh. What? Yeah. Bon, c'est ainsi que nos aventures vont se toucher à sa fin. Non, je plaisante. Mais j'ai juste oublié mon string. Qu'est-ce que tu viens de faire? Tu viens de te sniffer un bon paquet de drogue? Oh, coquin, va. Oh, la voix, là. On dirait Scar. C'est toi qui as tué Mufasa et la mère de Bambi. Oh, je le savais. Enfoiré, t'as brisé mon enfance. C'est bien. C'est bien en plus. Hein. Oups. Bon. C'est ainsi que se termine cette aventure de cette vidéo, de ce truc. Et je laisse le mot de la fin à Holt. Voilà. Moi, Steve. Ben voilà quoi. Mettez un j'aime et... Et faites l'amour.
Et toi? De vouloir manger une barbe à papa? Ok. Tu peux juste dire à... Ah.